ouais, j'ai pas pu résister. C'est mon cadeau d'anniversaire. C'est un peu cher comme cadeau, mais je pense que de toute façon, ça sera le seul. Alors, je suis un petit peu dégoûté parce que je le voulais en jaune. Partout où j'allais, il n'y avait plus de jaune. Je me suis dit, va pour le bleu. J'ai les AirPods Pro bleu. Donc, pourquoi pas partir sur le bleu. Ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas acheté directement. Enfin, à la base, j'étais parti pour faire une location pour voir ce que ça pouvait donner. Et finalement, la location, j'ai dit, c'est moyen-moyen parce qu'au bout de 2 ans, non, c'est 36 mois, au bout de 36 mois, il aurait fallu que je rende l'ordinateur. Moyen-moyen, donc du coup, je suis parti sur un financement de 10 mois, voilà, pour ce PC. Le truc, il est encore là. J'ai pris les configurations de base qu'il y avait parce que plus gros, je pense que ça ne me servira à rien. Donc, ben, j'ai pris ce qu'il y avait. Et puis, ben, on va voir ça, on va déballer et c'est parti. Alors, attends, on va. Fallait me dire qu'on devait venir. Je pensais que je pouvais pas venir. Déballage, là c'est un gros déballage. Je veux l'ouvrir, moi. Tire, allez. Doucement. Pourquoi ça s'ouvre pas? Ça y est. Pourquoi ça s'ouvre pas? C'est bon, on l'a trouvé. Il est à l'envers. Oui. Attends. Hello. C'est comment quand même? Protection d'écran. Et l'ordi, il est là. Donc voilà, il est là. Le carton est assez sympa. Il s'ouvre, tu l'ouvres par le haut, tu l'ouvres par le bas, tu l'ouvres sur les côtés. On va mettre ça. Il va falloir débarrasser le bureau parce que c'est le bordel. Et sa place va être ici avec le cadre bleu. Voilà. Allez, go, c'est parti. Alors attends, parce que j'ai peur, j'ai pas envie de tout casser. C'est petit en fait. Hop. Ici, on enlèvera le Hello après. On va finir le tour du carton pour voir ce qu'il y a. Ensuite, ça, bah, on a la notice, forcément. On a toujours. L'utilisation, normalement. Oh. Les stickers. Non, mais j'en veux un. Un bleu clair et un bleu foncé. Ça change un petit peu. Ça serait bien qu'ils fassent ça aussi dans les iPhones. Des stickers avec des. Je peux l'avoir, le bleu foncé. On verra si t'es sage. Mmh. Allez, on enlève le Hello. Waouh. Ça va là-dedans. Là-dedans. Et c'est aimanté. C'est bon, t'es prête? Oui. On allume. Premier allumage de la bête. C'est trop beau. Tadam. Et au final, ben, le bleu sur le bleu, magnifique. Ça rend plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. Donc du coup, voilà pour ce déballage. Alors ça fait déjà 2-3 jours que je le teste, j'apprends à m'en servir tout doucement. C'est vrai qu'au niveau de YouTube, pour faire les montages, mettre en ligne, s'occuper des commentaires et tout, forcément c'est beaucoup plus facile parce que je répète, jusqu'à présent, j'étais soit sur iPad, soit sur téléphone. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que ça change quand même pas mal la vie. La bête est hyper silencieuse, on n'entend pas tourner, même sur les logiciels de montage, il n'y a pas un son, c'est toujours fluide, toujours rapide. La puce M1 est extraordinaire. Donc du coup, bah, à voir ce que je peux vous proposer avec cette bestiole. Peut-être que du coup, bah, je pourrais faire plus de vidéos concernant les Macs, puisque du coup, je vais en apprendre un peu plus dessus, puisque jusqu'à présent, j'en faisais pas. Donc ça va peut-être apporter aussi un plus à la chaîne. Du coup, bah, si vous avez apprécié ce petit déballage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut !